Après le verbe, j'inventerai le progrès. Et après le progrès, j'inventerai le post-progrès. Et j'enverrai sur Terre des hordes industrielles qui fabriqueront des montagnes d'objets. Et j'initierai des foules de scientifiques à la connaissance de la matière. Et je ferai tout pour développer l'économie, pour ouvrir de grands centres commerciaux, de grands centres de détention, de grands centres d'âge, de grands centres urbains. Je relancerai la croissance. Je créerai de nouvelles centrales nucléaires. J'interdirai le tri sélectif. J'encouragerai à la délation. Je diminuerai les salaires et augmenterai les bénéfices. Et le monde entier sera contraint et figé devant les écrans télévisuels. Ce sont des sujets, voyez-vous, qui se placent volontairement devant d'autres sujets, hein, pour représenter des sujets qui sont pas là, des sujets qui n'existent pas. On dit qu'ils les incarnent. Ils les incarnent, ils donnent chair, en fait, à du pur discours, ce qui est rigoureusement impossible, évidemment. Alors, ils sont où? Eux, vous comprenez, du coup, ils sont où si toute leur chair est au service de sujets qui n'existent pas, de pur discours pendant tout ce temps. Ils les voilà dans une situation impossible. Le vrai eux, le vrai sujet qu'ils sont, ils flottent quelque part sans corps, ils attendent dans son coin, pendant que leur corps, il est en train de jouer aux Indiens, au roi du Danemark, au cocu, enfin des conneries comme ça. Du coup, ils ne sont pas bien, forcément, ils sont pas bien du tout. On dit qu'ils sont hystériques. Voilà, ils sont hystériques. Ce qui veut dire qu'ils se sont mis de côté et attendent patiemment que leur corps ait fini la pièce. Ah oui, mais non. Ah non, ça non plus, non. Ah ça non. Ah, ça peut être, oui. Oui, ça, à la limite. Oui, c'est possible, ça. C'est compliqué à cause de toute cette récupération. Tu comprends, nous sommes tellement récupérés, nous, les infréquentables. Welbeck est à Monoprix et Dantec, j'ai vu ma coiffeuse lire du Dantec. Alors, j'ai dû revendre tous mes morages depuis que France Loisirs a sorti son intégrale. Alors,
Ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est du boulot quand même. C'est super dur de trouver des vraies valeurs sûres. Des mecs comme Céline, il y en a un par siècle. Tu vois, rebattait, bon rebattait, c'est la part d'ombre, hein, c'est bien ça. C'est la part maudite de la littérature. Oui, mais rebattait, il aimait Debussy. Debussy, c'est quand même super consensuel. Artaud, on dit Artaud, mais Artaud. C'est un public de vieux gauchistes quand même. Tu vois, il a beau avoir dédié son bouquin à Hitler, c'est quand même surtout un écrivain, un public rouge, quoi. Sinon, bon, il y a Brasilia, bien sûr, et Drieux, ah. Drieux, le crucifié. Oui. Mais Artaud, il y a une rétrospective Pompidou, alors bon. Le problème, c'est que les plus infréquentables, c'est pas forcément les meilleurs, tu comprends. Barthèche, c'est quand même très très mal écrit. Hein. Bon, là, tu vois, t'as quand même une étagère hein, avec tous les petits nouveaux. Elle se poursuit jusque là, voilà. Relève de la part maudite, la part. Juste après, juste derrière les négationnistes. Ah, moi je suis pour la liberté d'expression, comme tous les vrais rebelles. Moi, tu vois, je suis un voltairien total, mais pas de la télé, hein. Un vrai. Donc les petits nouveaux là, oui là, le grand Nab, le grand Zanini, hein. Ça c'est la part maudite, la vraie part d'ombre. Renaud Camus et Léo Strauss, les vrais rebelles, hein. Tu vois, rien à voir avec ces réactionnaires rouges. Hein. Et Sade, ça va pas non? Ah, c'est vraiment répugnant, immonde. N'importe quoi, hein. Dégueulasse. Ça fait 12 ans que je travaille dans une usine d'opossum en plastique pour décorer les verandas. Si je travaille plus pour fabriquer plus d'opossum en plastique pour décorer les verandas, je pourrais en gagner plus d'argent. Gagner plus, ouais, c'est mon objectif. Hein. J'ai pas peur du travail. Ça, non. Ça, j'ai pas mon pareil pour mouler des opossums en plastique pour décorer les verandas. Je veux gagner plus pour pouvoir acheter plus, quoi. Je possède moi-même 5 opossums en plastique pour décorer les verandas, mais le dernier il a été abîmé. Il faudrait que j'en rachète un pour la salle de bain des petits. Ils aiment beaucoup les opossums en plastique pour décorer les verandas, les petits. Je leur dis toujours, mais faites comme papa, si plus tard vous voulez acheter des opossums en plastique pour décorer les verandas, il faut travailler plus pour gagner plus. Et vous aussi, vous serez quelqu'un comme papa.